plus de 12 ans de prison ferme et une amende de 137 millions. Telle est la décision de la justice de Père de Mandiana dans les dossiers concernant les anarchistes récemment interpellés et mis à la disposition de la police par les citoyens qui ont tenté d'anarcher de l'or et des machines détectrices dans les sous-préfectures de Kodiara. Dans le premier dossier, Cabinet Cissé et Ousmane Traoré sont reconnus coupables des faits d'escroquerie en bande organisée. Donc nous les avons retenus pour des faits d'escroquerie en bande organisée. Et d'après les législateurs guinéens, pour la répression, les condamnent à 10 ans de prison ferme et à 100 millions de francs guinéens d'amende. Prononce une interdiction de séjour des premiers Ousmane Traoré et Cabinet Cissé dans la préfecture de Mandiana pour une période de 5 ans. Déclare en outre le sus nommé Takana coupable des faits de recel. Pour la répression, le condamne par défaut à 5 ans de prison ferme et à 20 millions de francs guinéens d'amende. Décerne mandat d'arrêt contre lui à l'audience. Sur l'action civile, reçoit Adama Konaté et Oumou Awa Diakité dans leur action. Lui dit bien fondé, condamne Cabinet Cissé au paiement de la somme de 1 850 000 francs à titre de réparation des dommages causés à Oumou Awa. Condamne, en outre, solidairement, Ousmane Traoré, Cabinet Cissé et le nommé Takana, à la restitution de la moto de Adama Konaté ou la valeur vénale de la dite moto. Il réserve les intérêts de Adama Konaté, le tout en application des articles 403, 485 du Code pénal et 486, 548 du Code de procédure pénale. La justice reconnaît le même Cabinet Cissé, Ousmane Traoré et Soumaïla Keïta coupable de faire des tentatives d'escroquerie dans le dossier de Koyara. Voici sa décision. Le tribunal statue en publiquement contradictoirement en matière collectionnée en premier ressort, après en avoir délibéré sur l'action publique, déclare Soumaïla Keïta, Ousmane Traoré et Cabinet Cissé coupable de faire des tentatives d'escroquerie en bande organisée mis à leur charge. Donc, pour la répression, les condamne à 2 ans et 5 mois de prison ferme et à 37 500 francs guinéens d'amende chacun. Ordonne en outre la confiscation de la voiture Nissan non immatriculée et ayant servi de moyen de commission de cette infraction au profit de l'État. Prononce une interdiction de séjour des prévenus Soumaïla Keïta, Ousmane Traoré et Cabinet Cissé dans la préfecture de Mandiana pour une période de 5 ans. De Mandiana, Mamadi Konoma Keïta pour JeuneMatin.com.